Deux véhicules flambant neufs de type 4x4 offerts au service de police de Côte d'Ivoire par la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, l'ONACI. À travers ce geste, cette structure citoyenne veut aider la police à renforcer sa lutte contre la criminalité, le grand banditisme, la cybercriminalité et surtout à lutter contre l'insécurité. Depuis bientôt 2 ans, voire 3 années, il y a eu un fort recul du taux de criminalité et ça c'est encouragé. Et pour nous, la ONACI qui est une entreprise citoyenne, c'était notre manière à nous de vous encourager et au-delà de votre personne, vos collaborateurs. En remettant les clés au directeur général de la police nationale, le général Bredou Oumbia, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko, exhorte d'autres structures à en faire autant afin d'assurer la quiétude des populations. Il invite les bénéficiaires à faire un bon usage du don. Nos services ont vraiment des besoins. Nos hommes sont motivés, ils sont mobilisés et c'est toujours un réconfort important que nous puissions recevoir ce genre de dons qui vont permettre de se traduire en actes concrets en termes d'efficacité sur le terrain. La police criminelle et la police économique et financière en sont les grands bénéficiaires.